Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un DIY pour faire une huile de soin pour les crins de votre cheval qui ont été abîmés suite à la dermite estivale ou suite à une gratte ou quoi que ce soit, s'il a les crins cassés, abîmés. En l'occurrence, j'avais fait un essai sur ma mérince qui est atteinte de dermite. J'ai eu un résultat plutôt satisfaisant sur 15 jours d'utilisation, donc je vous partage la recette. Alors, je vais prendre tout simplement un flacon applicateur. Donc, il y a un embout que j'ai laissé, je ne sais où, qui est là-bas. Avec un embout comme ça, en fait. C'est l'ancien soin que ma jument avait. Donc, j'ai récupéré l'embout. On va partir sur une base neutre d'huile de tournesol. Donc, idéalement, il faudrait de l'huile bio, mais bon, j'en avais plus et j'ai pris ce qu'il me restait. On va avoir besoin d'huile de lin, de glycérine végétale, d'aloe vera en gel, d'huile de ricin, d'huile essentielle de menthe poivrée, d'huile essentielle de lavandin, d'extrait de concombre et d'huile végétale d'avocat, de bourrache et d'argan. Alors dans un premier temps, on va mesurer 100 ml, donc moi j'ai un petit gobelet doseur comme ça, 100 ml de gel d'aloe vera qu'on va mettre dans la bouteille en essayant de ne pas en mettre trop à côté. Ah oui, et il faut peser votre flacon juste avant parce qu'on va avoir besoin du poids final de la préparation pour pouvoir ajouter les extraits. Donc voilà, 100 ml d'aloe vera. On va prendre 250 ml d'huile de tournesol. On va prendre 50 ml d'huile de lin. Alors, quand vous aurez terminé la préparation, ce que je vous conseille, c'est de l'essayer sur votre cheval sur une petite zone pour voir s'il ne fait pas d'allergie avant de l'utiliser en grande quantité. Ensuite, on va prendre de l'huile de ricin pour 20 ml. Alors l'huile de ricin, c'est très visqueux et très épais, alors c'est plutôt long à couler de la bouteille. Alors de l'huile de ricin, toutes ces huiles-là, j'en ai trouvé chez Aromazone et à la parapharmacie de Leclerc. Dans notre coin, on est un Leclerc avec une para, c'est très très bien. Ils ont pas mal de choses. Voilà, donc pour les huiles, c'est tout. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... ajouter les trois petites fioles. Alors moi j'ai pris des petites fioles comme ça tout simplement parce que c'est des 10 ml. Donc 10 ml d'huile d'argan, de bourrache et d'avocat, on va les ajouter et après on pourra peser le mélange. Je vais refermer pour mélanger, voir si ça se mélange bien. Et ça se mélange plutôt bien, vous voyez, ça fait une espèce de liniment. Alors, je vais peser ma bouteille. Donc, j'avais pesé déjà à vide et mon flacon faisait 30 grammes. Donc là, j'ai 390 grammes. Donc, on a 360. Alors, pour l'extrait de concombre, on va le doser à 5%. Donc, ça nous fait 18 ml d'extrait de concombre. Donc, l'extrait de concombre va avoir une action purifiante. Alors, pour les 18 ml, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider de ce petit doseur, ça c'est très très pratique. Donc j'ai mes 18 ml que j'incorpore à la préparation. Pour la glycérine végétale, je vais le prendre à 3%. Donc on calcule 3% du poids de la préparation. Donc on repèse. 410 moins mes 30, on est à 380. Donc 3%. On est sur 11 ml. À peu près. Hein. On est sur 11,4, mais les 0,4, moi je pourrais pas les doser. Hop, on est à 11 ml. Pareil avec mon petit tube. On essaye de bien
tout mettre. Ça, c'est assez gluant, c'est pareil, donc ça reste assez collé à l'intérieur. Alors, pour l'huile essentielle de menthe poivrée, on ajoute 20 gouttes. Alors, choisissez-les de bonne qualité. Je les ai eues à la parapharmacie. Et pour rappel, une huile essentielle ne s'utilise absolument pas pour parfumer. Les huiles essentielles ont des vertus. Donc pour le lavandin, on va mettre 20 gouttes aussi. On va pouvoir refermer et secouer. Voilà, votre mélange est prêt pour réparer la crinière de votre cheval et avoir une action apaisante et hydratante suite à la dermite estivale principalement, mais aussi après, des fois on a les chevaux qui se grattent sur un arbre ou ils se cassent la queue ou se grattent l'encolure un peu trop vigoureusement, ils n'ont plus de poils. Donc voilà, mélange qui pour moi marche sur mes juments. Donc n'oubliez pas d'essayer sur une petite zone avant d'utiliser complètement sur votre cheval au cas où il y aurait une allergie. Et puis, vous me direz en commentaire si vous avez fait le mélange et si vous l'avez donné, si vous l'avez appliqué tous les jours et ce que ça a donné pour vos chevaux. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!